Abomination, déliquescence, naufrage, le retrait de Benjamin Griveaux a déclenché vendredi matin une avalanche de réactions consternées. Dans une rare unanimité, la classe politique a dit son dégoût pour ces pratiques qui mettraient en danger, au-delà des responsables politiques, rien moins que la démocratie. L'air des faits, la voix blanche sur fond gris, le candidat LREM à la mairie de Paris s'est exprimé à 9h depuis son siège de campagne, un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Point, je ne suis pas prêt à nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Par la voix de son avocat, Richard Malka, il a annoncé qu'une plainte serait déposée. Retour sur ces 24 heures qui ont vu exploser la candidature Griveaux. Jeudi matin, le bruit qui court le cinéma cette Batignolle est plein. Journalistes, candidats et soutiens sont venus voir Benjamin Griveaux présenter son prog Libération. Réserve cet article à ses abonnés pour poursuivre votre lecture. Abonnez-vous 8 € mois sans engagement. Offre 100% numérique. Je m'abonne. Vous avez déjà un compte abonné? Je me connecte tous nos articles en illimité. Le journal en version numérique le jour de sa parution. Nos newsletters exclusives. Rageux, notre appli de jeu Alain Auffray, Charlotte Bellaïche.